Amandine Pélissard ne finit pas de faire parler d'elle. En ce mercredi 22 mars, elle a dévoilé ses deux nouvelles copines et n'a pas manqué de faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Amandine et Alexandre Pélissard se sont fait connaître dans l'émission de TF1 Famille Nombreuse La Vie en XXL. Mais cette période de leur existence est désormais bien loin. Les discussions ne tournent désormais plus autour des courses du ménage, et du nombre de yaourts engloutis par les 8 enfants du clan toutes les semaines. À cette époque, le couple mettait un peu de beurre dans les épinards grâce au placement de produits, même si Amandine estimait ne pas être une vorace en la matière. Il y a des gens très prétentieux qui se surfacturent. Moi, ce n'est pas mon cas, expliquait-elle. En claquant la porte de l'émission, et en ouvrant un nouveau chapitre dans le monde des contenus pour adultes, Amandine Pélissard et son époux ont fait une très belle affaire. En janvier, ils ont révélé la somme touchée sur les plateformes qui accueillent leurs vidéos et affichent désormais un train de vie loin de celui qu'on leur a connu. Les internautes sidérés, les preuves de ce nouveau confort sont multiples. Amandine revend les trois quarts de son dressing qui semble n'avoir pas de fond sur Vinted, offre une montre d'un montant exorbitant à son chabi, multiplie les séjours parisiens dans des hôtels de luxe et le couple qui attend son 9e enfant s'apprête à déménager dans une grande maison de plus de 200 mètres carrés avec piscine dans l'agglomération de Montpellier. Cerise sur le gâteau, la mère de famille au langage fleuri a dévoilé aujourd'hui ses nouvelles copines, une paire de sandales plates en cuir marron siglé Louis Vuitton dont le prix en magasin avoisine les 750 €. Un petit plaisir qu'elle a dévoilé ravie sur Instagram mais aussi sur TikTok. Les internautes ne se sont pas fait prier pour commenter cette acquisition. Si certains ont estimé qu'Amandine avait très bon goût, d'autres ont dit leur consternation devant une telle dépense. J'aime pas, c'est bling bling, bah punaise, en pleine crise, pourquoi étaler votre richesse? Indécent et pas très intelligent. Rappelez-vous d'où vous venez. Pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires, alors maintenant tu nous montres que tu as du fric? Franchement, elles ont rien de spécial, tu as beaucoup changé, a déclaré une autre manifestement peinée. J'aurais bien honte à sa place. Au lieu de nous montrer tes choses luxueuses et te faire transporter en taxi, va travailler comme tout le monde. A déclaré, une autre qui fulminait. Si Amandine Pélissard voulait faire parler, si est-il encore un contrat rempli.